Deux minutes pour comprendre aujourd'hui le gras fait-il grossir? C'est la question que je vais poser à Cyril Lespierre. Vous êtes auteur de La Nouvelle Révolution Alimentaire. Docteur, est-ce que le gras fait grossir? Alors la question, ce n'est pas est-ce que le gras fait grossir, c'est plutôt est-ce que dans notre assiette, il y a des aliments qui accompagnent ce gras qui peuvent faire grossir, comme par exemple des glucides très raffinés, des pâtes blanches par exemple, ou un pain très blanc qui va accompagner une quantité de gras relativement importante à côté. Mais le gras en lui-même seul ne fait pas grossir s'il est pris dans des quantités raisonnables, et surtout s'il est bien choisi, parce qu'il s'agit aussi de parler de quel gras on veut considérer quand on le consomme dans son assiette. Alors comment on choisit son gras? On demande à Cyril Lespierre. Quel gras choisir? On conseille toujours à nos patients de consommer énormément de légumes, toujours plus de légumes que du reste. Partant de ce principe, il est possible de manger très gras. Mais quel gras? On va se tourner vers des huiles non raffinées, première pression à froid, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de noix. Et ces huiles-là, qui sont très grasses, qui sont très caloriques, peuvent être consommées sans aucune restriction de quantité si on les consomme avec des légumes en grande quantité, plein d'herbes, plein d'épices et même des viandes. On peut cuisiner des viandes avec du gras. Si ces viandes très grasses sont consommées avec des légumes en grande quantité, il n'y aura aucun problème sur le stockage de ces glucides sous forme de triglycérides. Le problème sera vraiment cette consommation de glucides type riz, pâtes, pommes de terre, semoule, qui vont accompagner des protéines animales type viande ou poisson avec beaucoup de sauce. Donc pour se résumer, si dans mon assiette j'ai une belle entrecôte avec un petit peu de gras et puis plein de légumes autour, de la salade, des épinards, tout ça, c'est pas la peine que j'enlève le gras. Avec beaucoup de gras, si on le choisit bien, entrecôte, légumes et beaucoup de gras. Voilà, bien choisir son gras et surtout l'accompagner de beaucoup de légumes. À très bientôt.